Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous rencontrer au travers de ce chat pour vous présenter ce thème sur l'équilibre émotionnel, familial, stratégique, qui est un vrai défi pour la transmission d'entreprise. On va attendre, allez, 10 secondes encore, 10, 12, 15 secondes que les autres personnes arrivent. Vous êtes déjà nombreux dans la salle. Les derniers qui arriveront pourront trouver des places devant. Il y a toujours des places devant dans les salles de réunion, les salles de conférence. Allez, quelques instants encore. Et on va démarrer. Le sujet est vaste et nous avons 45 minutes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je suis vraiment ouais, de nouveau ravi de vous présenter ce thème qui me tient particulièrement à cœur. Vous allez comprendre pourquoi, je l'espère, dans ce chat, dans ce webinaire. Alors, en effet, il y a un chat dans lequel vous avez les coordonnées de Laurent. Si vous avez un problème technique, eh bien, n'hésitez pas à écrire votre question. Il saura vous aider, vous recommander la bonne manière de régler votre ordinateur, votre son ou votre image. Et puis, nous avons également Isabelle qui est, elle, à la régulation des messages. Et donc, je suis particulièrement bien entouré. Alors, comme on n'est pas hyper nombreux, ce que je vous propose, c'est de créer une petite interactivité. C'est évidemment pas simple dans un webinaire, mais est-ce que vous voulez bien me donner votre secteur d'activité de manière à ce que je comprenne à peu près à qui je discute? Est-ce que vous êtes acteur de la transmission d'entreprise? Est-ce que vous êtes vous-même dirigeant? Et puis, deuxième question, est-ce que vous connaissez actuellement des situations de blocage lors de transmission d'entreprise que vous pourriez donc connaître aujourd'hui? Donc, juste n'hésitez pas à vous manifester par rapport à ces questions-là. Et puis, on pourra les traiter au fur et à mesure de la présentation et répondre évidemment à vos questions. Il y aura une phase de réponse-questions à la fin. Et je vous propose le programme suivant, de définir, bon, après que je me sois présenté et que j'aurais présenté au débit, de définir ce que c'est qu'une entreprise familiale. Et puis quelques chiffres pour planter un peu le décor. Pourquoi est-ce qu'il y a des blocages dans la transmission des entreprises, et plus particulièrement dans la transmission des entreprises familiales? Et en quoi l'intelligence émotionnelle, ou comment trouver son pourquoi? Vous verrez comment je définis le pourquoi, eh bien, peut nous aider, peut aider le dirigeant à avancer dans cette étape importante qui est la transmission de l'entreprise. Alors, qui je suis? Je m'appelle donc Luc Girard, ça vous l'avez vu, j'ai dirigé pendant 40 ans, j'ai 64 ans bientôt, j'ai dirigé pendant 40 ans différentes entreprises, différents cabinets de conseil en gestion de patrimoine. La dernière entreprise que j'ai co-dirigée s'appelle Olifant Group. Olifant Group, et là on avait une problématique, c'est que nous étions une vingtaine d'associés et j'ai vécu à la fois la vie d'entreprise et puis j'ai vécu aussi mon départ d'Olifant Group dont je vais sûrement vous reparler dans ce webinaire. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 40 ans et surtout ces dernières années? Ben, j'ai travaillé la vision globale du patrimoine avec mes clients. J'ai accompagné des groupes familiaux dans la vision globale de leur patrimoine et principalement l'organisation de la transmission. Et
J'ai souvent été confronté à des blocages, en fait, des blocages humains, des blocages émotionnels, psychologiques, chez certaines personnes, chez certaines familles, dans certaines familles, pour arriver à prendre des décisions en vue de la transmission du patrimoine et la transmission de l'entreprise. Et quand je donnais des cours à mes élèves du Master 2 de gestion de patrimoine d'Orléans, je leur disais, vous savez, pour faire ce métier, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens pour faire ce métier. Parce que quand on parle d'argent, on parle d'humain. Et alors, je leur disais, évidemment, aimer les gens, c'est se mettre, être en capacité d'être en empathie pour les comprendre, pour les aider, les conseiller, les questionner déjà, à comprendre leurs besoins, les aider et les emmener vers des solutions. Ça a été pour moi une préoccupation dans toute ma vie professionnelle. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire il y a 3 ans? Ben, c'est de me former à toutes les techniques humanistes d'accompagnement des personnes. Alors, ben, je me suis formé principalement à des techniques autour de la PNL, de la communication non violente, de l'énéagramme, de l'intelligence collective. Et tout ça, ça me permet de pouvoir accompagner mes clients, dirigeants, mes groupes familiaux dans la transmission et de les amener à se poser les bonnes questions dont on va parler, évidemment tout de suite. Et puis je me passionne aussi pour toutes les travaux de recherche qui sont faits, rédigés par les différentes universités, notamment les travaux de Gérard Irigoyen à l'IAE de Bordeaux. Et qui précise, qui travaille beaucoup sur les enjeux humains de la gouvernance. Et ça me donne évidemment de la matière pour pouvoir accompagner mes clients. Voilà, j'ai été formé par la société Haut Débit. Haut Débit, c'est une société qui a été créée en 2006 à l'initiative de Johan Duclos. Et Haut Débit, Johan Duclos et l'ensemble des coachs qui sont labellisés par Haut Débit. Nous avons pour mission, c'est relativement simple, mais en même temps c'est de l'engagement, c'est d'accompagner nos clients vers de réelles transformations. Et pour cela, par exemple, nous avons des examens annuels à passer, nous avons à actualiser nos connaissances, nous sommes supervisés en tant que coach. Et cela donne évidemment une constante en matière de qualité, d'évolution et de formation pour accompagner nos clients. Donc, j'aide le dirigeant d'entreprise familiale à transmettre au bon moment pour qu'il puisse se retirer sereinement et sans difficulté pour l'entreprise. Il s'agit bien évidemment de sauvegarder l'entreprise, faire en sorte que mon client, le dirigeant, lui, parte le plus sereinement possible, s'il s'est bien projeté dans l'avenir, s'il a pu parler avec ses salariés, avec sa famille, s'il a pu dire les bons mots, et puis transmettre au bon moment, ben, justement, si on a fait tout ce travail, on va transmettre au bon moment. Alors, j'ai voulu donner une définition de l'entreprise familiale. C'est une société dont la majorité des droits de vote est détenue par le ou les créateurs de l'entreprise, ou bien par leurs conjoints, parents, enfants, ou par les héritiers directs de leurs enfants. Voilà ce que c'est qu'une entreprise familiale. Alors, ça, c'est sur le papier. Dans la pratique, ça se passe parfois différemment. Mais quoi qu'il en soit, les actionnaires d'une entreprise familiale sont en majorité des individus privés ou des familles qui possèdent donc des capitaux investis dans un patrimoine productif et ils ont développé une stratégie patrimoniale. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans un groupe familial, on a cette vision beaucoup moins financière qu'une entreprise qu'on va dire classique pour le moment. On va avoir une préoccupation d'ordre patrimonial. On va travailler à la pérennité de l'entreprise. Donc, on aura systématiquement une stratégie à long terme, beaucoup plus à long terme peut-être que dans le cadre d'une entreprise qui aurait été rachetée un jour,
dans l'objectif un jour d'être tout simplement revendues. Alors, selon la Commission européenne, les entreprises familiales, petites, grandes, procurent quand même 40 à 50% des emplois en France, mine de rien. Et puis, il y a une stat que je n'explique pas beaucoup, c'est que finalement, seulement 22% des PME familiales sont transmises à la génération suivante au sein de la famille, alors qu'on est à 51% en Allemagne et 80% en Italie. Alors, est-ce que c'est parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a beaucoup plus d'ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui sont souvent détenues depuis 5, 6, 7, 8, 10 générations. On a peut-être plus cette culture-là. En Allemagne, on a plus d'industrie qu'en France. On en parle beaucoup. Mais je ne m'explique pas complètement cette stat. Donc, si vous avez une réponse, une idée, je suis vraiment preneur. Alors, il existe un paradoxe. Les entreprises familiales en France représentent 80% des entreprises, que ce soit des TPE, les PME ou les ETI. Il y a beaucoup d'études de l'Institut Montaigne qui travaillent autour de ces stats. Alors, et en général, les entreprises familiales sont un réel modèle justement de cette recherche de pérennité dont je vous parlais juste avant, beaucoup plus dans le partage des ressources et des valeurs, et puis une meilleure stabilité dans les périodes de crise. On l'a vu à la crise financière de 2008, et ça paraît très loin, mais finalement, on en a encore quelques réminiscences parfois. On l'a vu avec le premier confinement. L'environnement des entreprises familiales a beaucoup mieux tenu le coup, en général, sur ces périodes de crise. On a souvent la volonté des dirigeants de transmettre aux jeunes générations. Évidemment, on a évidemment cette vision patrimoniale de l'entreprise et donc d'amener à transmettre à un moment, donc de préparer cette transmission dans la mesure où c'est possible, où ça se fait au bon moment. Et pourtant, une des principales causes de défaillance, c'est justement cette transmission. C'est un paradoxe. Et donc, pour répondre peut-être à ce paradoxe, si au-delà des aspects rationnels, visibles, conscients, c'est-à-dire d'organisation juridique, fiscale, nécessaire évidemment, du prix, de la discussion du prix, de discussions de remplacement de direction, est-ce qu'on n'aurait pas finalement des aspects irrationnels, psychologiques, émotionnels, qui se jouaient lors de la transmission ? Je sais que vous êtes d'accord avec moi, j'enfonce une porte ouverte, mais encore faut-il qu'on travaille à trouver des solutions. Et là, il ne faut pas ignorer les liens affectifs psychologiques qu'il y a entre le dirigeant et son entreprise. Vous vous rendez compte, c'est mon bébé, d'autant plus qu'il m'a été peut-être transmis par mon père, l'entreprise avait été créée par mon grand-père. Vous imaginez le poids psychologique qui existe, le poids de toute l'histoire de la famille qui est finalement sur les épaules d'un repreneur, d'un héritier qui devient un dirigeant. Entre la famille et l'entreprise, le groupe familial, l'entreprise, on parle de l'entreprise en famille le dimanche dans les déjeuners depuis toujours, depuis des générations. Parce que bien souvent, on a des salariés qui sont là depuis très longtemps, qui ont connu parfois le grand-père, le père, et puis qui ont vu arriver en courant, en culotte courte, les petits-enfants entre les machines de l'entreprise. Quelles sont les raisons de ces blocages et comment les éviter ? Déjà, les raisons. Souvent, c'est la peur de la perte du pouvoir et d'influence. Vous imaginez, j'ai dirigé ma boîte pendant des années, et ça, je peux vous assurer que je l'ai vécu. Quand on dirige une boîte, on a un pouvoir, oui, on a un pouvoir, on a une influence, on le sent tous les jours, et puis du jour au lendemain, on perd cela. Perte de l'utilité économique et sociale, c'est fou ce que quand vous quittez votre entreprise, finalement, on vous oublie, vous faites partie de tas de clubs de dirigeants.
d'associations, vous êtes utile, vous aidez, vous dirigez votre entreprise, et puis du jour au lendemain, bien souvent, on vous oublie. Combien de fois j'ai vu dans ma carrière des hommes, des femmes qui vivaient mal finalement ces moments-là, ces moments de solitude où finalement le téléphone sonne plus parce que vous pensez avoir beaucoup d'amis et puis finalement, vous en avez finalement pas tant que ça à partir du moment où vous êtes déconnecté du monde de l'entreprise. La perte de sens, de référence, de repère, oui, ça découle. Le risque de déconstruction de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu construire depuis tellement d'années, c'est moi qui étais à la tête de tout ça, et je vais quand même pas prendre le risque que tout ça s'effondre. Donc je repousse ma décision de transmettre. Je suis extrêmement compliqué pour choisir le repreneur, je discute le prix. Et ça dure et ça dure. Les modifications profondes de rythme et des habitudes de travail. Bien sûr que mon rythme va changer, mes habitudes de travail vont changer également. Et puis parfois, quel travail? Qu'est-ce que je vais faire après? La crainte du jugement d'autrui. J'ai développé ma boîte, j'ai développé toute une image, à la fois l'image de la boîte et puis mon image également. Et puis je l'ai surtout créé, ma boîte, et développée à mon image. C'est fou ce que l'entreprise ressemble finalement à son dirigeant. Et les dirigeants n'en sont pas conscients. Et par contre, la perte du jugement d'autrui, la perte de l'image de l'entreprise, ça c'est une peur justement parce que c'est un peu lié à l'ego. Qu'est-ce qui va se passer si demain je ne suis plus là? Et puis il se passe aussi une chose, un des freins fréquents que j'ai pu rencontrer, c'est une méconnaissance des aspects juridiques et fiscaux de la transmission. Moi, dans mes accompagnements, ce que j'essaye de faire en lien avec les conseils habituels de mes clients, c'est de faire un check-up des différentes solutions. Est-ce que vous avez organisé, est-ce que vous avez créé une holding, est-ce que vous avez fait des donations avant cession, est-ce que vous avez un pack Dutreil? J'ai lu une stat il n'y a pas très longtemps. Là encore, je m'en remets à vous si vous avez des idées à ce sujet-là. Mais si c'est réellement vrai, mais il semblerait que 80% des dirigeants, toute entreprise confondue, bien évidemment, ne sachent pas ce que c'est qu'un pacte Dutreil. Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Alors évidemment, dans les ETI, je sais qu'on sait ce que c'est qu'un pacte Dutreil, on en parle beaucoup dans beaucoup d'articles en ce moment, mais dans les plus petites entreprises, ça peut très bien s'adapter. Il ne faut pas hésiter, il faut se poser ces questions. Je regarde parfois le chat, s'il y avait déjà des questions, des remarques. Je suis en cours de projet de rachat d'une entreprise dans laquelle j'ai des parts. Bérangère, donc professionnel de l'accompagnement des dirigeants, manager et entreprise, ouais, super. Je suis un salarié du notariat, ouais, donc évidemment très concerné aussi sûrement par les transmissions. Bienvenue à tous. Je continue, et pourtant prendre conscience de ces blocages et en mesurer les enjeux, ça permettrait quoi? Ça permettrait d'être au juste prix. Ça permettrait de gagner du temps pour discuter du prix. Alors, évidemment, on peut estimer le prix d'une entreprise. On le sait, il y a plusieurs manières d'estimer le prix d'une entreprise. Mais vous avez le prix sur le papier, et puis vous avez le prix qu'on s'en fait. Parfois, on veut être trop gourmand, mais parfois, on va carrément sous-estimer l'entreprise, tout simplement parce que le dirigeant se sous-estime lui-même. Et que même parfois, il serait prêt à sacrifier son entreprise, sous prétexte que, il faudrait qu'elle soit transmise dans les meilleures conditions possibles, et puis à quelqu'un qui lui ressemble, à quelqu'un qui soit à la hauteur de l'enjeu et à la hauteur de ce qu'il a pu faire depuis tant d'années. Ouais, sauf que on transmet pas toujours la même image. Et il faut savoir, en fait, comment dire, faire ce deuil. Ne pas attendre. Alors, ça permettrait justement de ne pas attendre pour prendre la décision, parce que plus le temps passe, plus on est sous pression. On risque d'être dans une situation où on va subir, où on va bâcler dans l'urgence. Sans aller nécessairement
à des et comment dire à des périodes beaucoup plus dramatiques qui sont évidemment la perte d'autonomie voire le décès. J'ai l'exemple d'une amie qui a repris l'entreprise de son père il y a 4 ans, 4 ou 5 ans. Le papa il décrochait pas. 75 ans, 76 ans, je ne prépare rien pour transmettre. Je ne fais rien et puis je décède. Bah ouais, on n'est pas immortel, sauf que parfois on le croit, mais là non. Et donc, décès, rien n'a été prévu, donc des droits de succession énormes. Et puis, la fille unique se dit, bah, OK, je suis pas dans ce métier, mais je reprends l'entreprise. Je vais pérenniser l'histoire familiale. Génial. Ouais, sauf que c'est là que les difficultés commencent. Ça permettrait aussi d'avoir des motivations suffisantes et claires pour vendre, pour les bonnes raisons. Le pourquoi est important, on va en parler. Et puis on prendrait le temps d'informer la famille, de se préparer et de conserver la bonne entente, l'harmonie. Combien de fois dans certaines familles ça se passe pas super bien finalement. Et puis de rien cacher aux repreneurs, parce que si on fait tout au dernier moment, il y a peut-être des choses qu'on aura oubliées consciemment ou inconsciemment. Et si on prend le temps, et l'idéal parfois c'est même 5 ans avant une transmission, 5 ans, 7 ans même, certains même disent 10 ans, et je comprends, surtout quand il s'agit d'organiser une succession future, le temps est important. Et puis, ça peut aussi bien évidemment améliorer les conseils, enfin la relation avec les conseils du cédant. De prévoir justement la bonne stratégie juridique, fiscale, patrimoniale. Souvent, je discute avec des experts comptables ou des notaires, avocats qui finalement se retrouvent un peu au pied du mur avec des décisions à prendre rapidement. Parce qu'évidemment, le client, lui, il veut que la solution soit trouvée demain, même hier, parfois, et ça pose évidemment des problèmes. Ça crée des ambiguïtés entre le cédant, ses conseils, parfois le repreneur. On n'est plus d'accord sur le prix. Comment dire, le prix de l'un n'est pas le prix de l'autre, et la raison pour laquelle on va indiquer tel prix. Par rapport à telle situation, n'est pas la même. En fait, il faut arriver à faire en sorte que les gens se parlent. C'est une question de négociation. Et pourquoi pas faire appel aussi à des gens qui vont pouvoir aider à cette négociation. Et puis, ça permet au conseil de garder de bonnes relations avec son client et peut-être vraisemblablement avec le repreneur, puisque en tant que conseil, expert comptable, notaire, vous connaissez votre client, vous connaissez l'entreprise. Alors, on est OK, tous les acteurs de la transmission sont d'accord. Le facteur humain et émotionnel est décisif lors d'une transmission. OK, on est tous d'accord pour dire ça. Mais face à ce constat, on fait quoi? Parce que finalement, ce qui est difficile, c'est de prendre la décision de s'occuper de soi, de se poser les bonnes questions. Alors, moi, je vous suggère quelques idées. Je vous suggère d'utiliser ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ou adaptative. Vous savez, c'est un peu comment dire, pas l'opposé, mais l'équivalent de l'intelligence collective qui permet de travailler avec des groupes. L'intelligence émotionnelle, ça permet de travailler avec une personne. Mais si on travaille bien cette intelligence émotionnelle, on va rendre la personne beaucoup plus responsable. On va permettre à la personne d'accueillir la situation qui se présente, cette difficulté, ce changement extrêmement important, avec beaucoup plus de sérénité, de responsabilité, justement. Et puis on va lui permettre de se reconnecter à ses valeurs et d'acquérir une attitude tout simplement constructive. Alors ça, c'est valable pour un dirigeant, mais c'est valable pour tout individu face à des événements parfois compliqués. Et le risque finalement de ne pas travailler sur nos émotions, parce qu'il s'agit bien là d'émotions, vous l'avez compris, est de nous enfermer dans nos croyances. Et là, je peux vous assurer qu'on vit
et vous l'avez peut-être déjà ressenti, on vit de réels enfers, enfermement. Le rejet des responsabilités, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, c'est la faute à la conjoncture, c'est la faute à Macron, c'est la faute à mes salariés, c'est la faute à mon expert comptable, il est en retard. Ben ouais, il est en retard, mais si vous lui aviez pas dit, si vous lui avez pas dit 5 ans avant que vous vouliez céder, ben, il peut pas improviser non plus. Donc critique, culpabilisation, je me plains, je suis une victime. Et finalement, j'ai des attitudes automatisées, donc je vais pas agir, je vais réagir. Et puis moi, j'aime bien cette citation de Thomas Dansenburg, qui a introduit et développé la communication non violente en Europe, en France. Si je réprime ce qu'il serait juste que j'exprime, tôt ou tard, cela s'imprime. Et là, je peux vous assurer que je déprime. Et si je vous en parle, c'est que je suis passé par là avec tous ces doutes, tous ces rejets de responsabilité, cette culpabilisation au travers au moment du départ de mon entreprise, mais aussi souvent dans beaucoup d'événements dans ma vie. Il n'y a pas de secret. Si je vous parle de ça, c'est que je l'ai vécu. Et le temps est décisif, le timing est décisif. En fait, l'enjeu... l'idée, c'est de permettre au dirigeant et à sa famille peut-être, mais déjà le dirigeant, celui qui va prendre la décision, de s'asseoir dans ce que j'appelle le fauteuil du discernement pour revoir les croyances, celles qui limitent dans l'objectif qui est à atteindre, pour comprendre ce qui dépend réellement de lui, qu'est-ce qui dépend réellement de vous, de nous, en fait, dans la vie. Ben, il faut travailler ce discernement, finalement, pour comprendre réellement ce en quoi nous sommes utiles et sur quoi nous allons pouvoir agir. Et puis, pour retrouver notre ligne de vie et nourrir notre bien-être, notre ligne de vie, c'est parfois ce qu'on a oublié il y a très longtemps. Je passe le slide suivant. Et alors, voilà, je voudrais vous proposer un outil. Vous savez, a priori, en général, on sait ce qu'on fait. Et comment nous le faisons? Ah, je sais ce que je fais. Je me lève, je vais bosser, je sais ce que je vais faire, je vais acheter une bagnole, je vais construire une maison, je vais développer mon entreprise, je vais transmettre mon entreprise. Je transmets mon entreprise. Comment je vais le faire? Bah, je vais en discuter avec mes conseils, encore que ce n'est pas toujours évident, mais plus rarement, pourquoi nous le faisons? Pourquoi nous faisons les choses? Ça, c'est beaucoup plus rare. Et pourtant, ce pourquoi, il nous appelle à notre raison d'être, à nos besoins, à nos émotions. Et plus vous travaillez ce pourquoi, plus vous vous ancrez dans ce qui a fait que vous démarriez votre entreprise, dans ce qui a fait que vous repreniez l'entreprise de la famille, les valeurs sur lesquelles vous démarriez cette vie professionnelle. Et plus vous questionnez sur votre pourquoi, plus vous revenez à votre authenticité, à vos réels besoins, à ce qui vous comble, à ce qui finalement dicte votre comportement. Et ça vous permet d'autant plus de pouvoir vous projeter dans l'avenir et créer votre projet de vie. Et là, c'est tellement plus facile pour voir clairement et avec lucidité ce que vous allez pouvoir faire, organiser pour votre transmission. Et en travaillant votre pourquoi, finalement, vous, dans vos décisions, mais le dirigeant en particulier aujourd'hui, se projettera bien évidemment beaucoup plus facilement dans sa vie future et en sera tellement plus serein. Combien de personnes se sentent très seules finalement au moment de partir à la retraite en général et au moment de la transmission d'une entreprise? Il saura quoi transmettre parce que qu'est-ce que je transmets finalement? Je transmets le pouvoir, les actions, les droits de vote. Je transmets, si c'est une entreprise familiale, c'est pas sûr finalement. Finalement, le pouvoir, les droits de vote, la détention des actions peut continuer à être,
à être organisé au sein de l'ensemble de la famille. Et donc, je vais peut-être transmettre finalement que, comme ça m'avait été fait à l'époque, que le savoir et la gouvernance. Mais il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'il est nécessaire de transmettre finalement les actions parce que justement, il y a un moment, il y aura une succession qui sera faite. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas le bon moment pour déjà faire des donations avant cession, s'il y a cession de l'entreprise? Vous voyez, toutes ces questions sont importantes, mais encore faut-il se poser des questions et pas attendre le dernier moment. Parce que même ces questions très pratiques de transmission, de gouvernance, de connaissance, de pouvoir, de droit de vote, ont des répercussions sur le plan émotionnel, sur le plan de l'entente familiale. Et on pourra écrire un plan de transmission. Alors c'est très rare un plan de transmission dans le cadre d'une transmission d'entreprise, mais c'est tellement efficace. On va écrire ce que l'on veut pour transmettre l'entreprise. Alors on pourrait même faire un webinaire simplement sur un plan de transmission. Tiens, je vous le ferai un jour. Et puis dans ce cas-là, on aura la maîtrise du temps. Et puis, on pourra organiser le dialogue entre les générations. Et puis, on va vraisemblablement sauvegarder l'harmonie familiale. Combien y a-t-il d'exemples? Vous en connaissez peut-être autour de vous, où finalement, dans les familles, ça ne se passe pas très bien parce qu'on ne s'est pas parlé, on n'a pas dit les mots qu'il fallait, et on n'a pas organisé la systémie. On est formé à la systémie dans nos métiers pour comprendre les enjeux familiaux, comprendre l'émotionnel familial. Et puis on va sauvegarder et améliorer la communication entre les salariés et avec les salariés. C'est pas neutre, cette histoire, évidemment. Il y a des salariés qui parfois sont là depuis très longtemps dans l'entreprise. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'un dirigeant qui ne dit pas à un moment qu'il va transmettre, alors qu'il a déjà 60 ans, 62, 63, 65, les salariés, eux, ils savent. Ils savent que leur patron vieillit, qu'à un moment il va transmettre, surtout quand on parle beaucoup de retraite, et pour autant, c'est pas sur la table, le sujet n'est pas sur la table. Il y a un moment, ça pose un problème en matière de management. Les gens sont inquiets, et c'est normal. Donc parlons-en le plus tôt possible, d'autant plus qu'on peut peut-être retrouver des repreneurs chez les salariés si on estime que, si on revient à l'entreprise familiale, que le fils ou la fille, les enfants en général, ne sont pas encore au niveau pour reprendre. Et puis on va préserver aussi les rôles sociaux et sociétaux de l'entreprise, voire les renforcer, parce que, vous le savez, une entreprise qui est là depuis plusieurs générations, dans une région, elle peut avoir un rôle énorme sur le plan social et sociétal. Chaque salarié, avec sa stabilité professionnelle, a pu développer une vie associative. L'entreprise elle-même, a des responsabilités associatives, participation dans le club de rugby ou j'aime bien le rugby, régional. Tout ça, c'est important. Est-ce qu'on le conserve? Est-ce qu'on le renforce? Et puis il y a aussi des rôles politiques, du dirigeant et autres. Mais bon, tout ça fait partie de l'écosystème de l'entreprise. Il s'agit de le préserver, bien évidemment. Ça contribue à la stabilité de tous. Alors, j'ai quelques exemples à vous soumettre. Je vais juste repasser par le chat. Oui, Peggy, 25 ans de banque et aujourd'hui j'accompagne les projets de financement, notamment sur LBO. Ouais, tout à fait, je t'ai reconnu. Et en effet, ouais, grosse pratique de la transmission. Qu'est-ce que tu nous dis? J'ai encore eu le témoignage d'une épouse d'un dirigeant la semaine dernière qui est en dépression et ingérable. Voilà. Voilà un exemple qu'on rencontre régulièrement. C'est le dirigeant qui n'en peut plus, qui n'en peut plus parce que le monde change, parce que ça va très vite, parce qu'il se pose sûrement plein de questions. Et il serait temps de transmettre, mais comment je fais? À qui je m'adresse?
Et vraisemblablement, ce monsieur vit des moments extrêmement difficiles. Alors, je voudrais vous parler de l'histoire de Monsieur Bien Écouté. Alors, Monsieur Bien Écouté, alors ça, c'est comme Netflix, hein, comme les productions Netflix, c'est basé sur des faits réels, c'est de la fiction, mais basé sur des faits réels. L'histoire de Monsieur Bien Écouté, ben, elle est la suivante. Monsieur Bien Écouté, il y a le feu, je vais transmettre, créez-moi une holding, je vais faire apport de mes titres à la holding, comme ça je vais faire des économies sur la plus-value, ah ça c'est une super stratégie, je vends ma boîte, les sous sont encapsulés dans la holding. Cool. Mais je me rends compte finalement, je suis monsieur bien écouté, je me rends compte que j'avais besoin d'argent à titre privé, que j'aurais bien voulu en donner à mes enfants, à mes petits-enfants même, parce que j'ai déjà des petits-enfants, et puis que finalement dans ma stratégie, bah, il aurait peut-être été utile que je souscrive des contrats d'assurance vie pour bénéficier des abattements et puis de la fiscalité en général. Bon ben voilà, si ce monsieur avait pris du temps en amont, s'il s'était peut-être fait accompagner pour se poser les bonnes questions sur ses besoins réels au moment de partir à la retraite, eh bien, vraisemblablement, il aurait fait autrement ou il aurait fait d'autres choses. Mais ça, c'est tout à fait typique du gars qui se réveille un peu au dernier moment. Et puis, bah, il faut me trouver une solution pour payer moins d'impôts sur la plus-value. Ouais, sauf que ce n'est pas que la seule solution. Alors vous me direz, ça c'est que de la stratégie technique, mais il n'y a pas que ça. Il y a du technique, bien évidemment, mais le technique rejoint complètement comment dire, l'humain, le psychologique, voire l'émotionnel, parce que qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Qu'est-ce que je veux pour mes petits-enfants? Qu'est-ce que je veux pour mon couple? Tout ça est lié finalement à l'organisation et à des conséquences sur l'organisation fiscale, juridique du patrimoine. Alors j'ai déjà transmis, mais je suis toujours là. Alors ça, j'adore cette situation. C'est le monsieur qui transmet. Alors il a tout transmis, les actions, les pouvoirs, la connaissance, mais il est toujours là. On n'en a jamais vraiment beaucoup parlé avec les enfants. Je suis toujours là. Je suis toujours dans l'entreprise. Mais en fait, j'ai très peur. J'ai très, très peur parce que si je m'en vais, ça va rompre toute l'harmonie que j'ai créée depuis des années. Et en fait, l'idée, c'est simplement que, et ce qu'on a fait, c'est de discuter sur cette peur de rompre l'harmonie. Il a compris que finalement, bah, il n'y avait pas de danger et qu'il pouvait partir. Mais il avait tellement tout porté sur ses épaules. De l'équité entre, j'accélère un peu parce que je vois le temps qui passe, de l'équité entre les enfants. On m'a raconté un exemple là, récemment que j'ai pas vécu, mais il y a 20 ans, on donne l'entreprise, enfin il y a un des enfants qui reprend l'entreprise familiale et l'autre à qui on donne des immeubles. Et puis 20 ans après, l'entreprise a très bien fonctionné, a explosé des compteurs et comment dire? Celui qui avait les immeubles, bah, il a moins fait fortune. Eh bien, finalement, ils se tapent sur la figure, les deux enfants, justement pour rééquilibrer. Il y en a un, celui qui a moins, finalement, réclame. Alors, vous me direz, il y a un notaire dans l'assistance, qu'ils avaient certainement fait une donation partage à l'époque, j'espère. Mais pour autant, il y a un conflit. Eh bien, peut-être que finalement, on règle là des comptes qui n'avaient pas été réglés il y a très longtemps et des désaccords, des mésententes qui existaient depuis très longtemps. C'est peut-être ça finalement qu'il faudrait travailler et qu'il aurait peut-être fallu travailler à l'époque et se laisser le temps de poser les bonnes questions. Est-ce que les enfants s'entendent bien? Quelles sont les histoires de la famille? Et ainsi de suite. Tout ça peut être vachement important pour la pérennité du patrimoine et la pérennité de la famille. Vous vous rendez compte, 20 ans après, des gens qui se tapent sur la figure, franchement, on a autre chose à faire. Alors, le dernier exemple, puis après, on va passer à vos questions, vos remarques. J'ai fait le tour du monde en Airbus A320. Alors, ça peut paraître cocasse comme truc, mais
C'est l'histoire de ce monsieur qui vend sa boîte, pas mal d'argent, et puis qui fait le tour du monde en Airbus A320. Ça existe, des voyages où finalement, vous achetez votre billet d'avion, l'avion est rempli de gens qui ont le même objectif que vous, bien évidemment, et puis l'avion, bah, il fait des sauts de puce autour du monde, et vous faites le tour du monde. C'est un voyage qui doit être extraordinaire. Il a fait ça avec des amis, puis il a fait les autres aussi, voyages. Il est allé dans l'océan Pacifique, il a fait tous les voyages qu'il avait rêvé de faire toute sa vie. OK, les voyages se sont arrêtés, parce qu'il y a un moment, ben, il y a moins de voyages à faire, alors il en refait d'autres, sauf qu'il s'embête. Il s'embête, et en fait, l'idée, ça aurait été simplement de se poser la question, mais bien en amont, de dire qu'est-ce que je vais faire après, quelles sont mes compétences, quelles sont mes passions, quels sont mes rêves. Alors, il avait des rêves de voyage. Mais au-delà de ça, il ne se sent pas utile, il ne se sent plus utile. Or, l'idée serait peut-être été, au moment où on commençait à parler de retraite, de dire, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? J'ai dirigé ma boîte pendant 35 ans, je ne sais faire que ça. Ben, ce n'est pas vrai, on sait faire plein de choses. Parce que finalement, on a développé sa boîte, on a managé sa boîte. Mais manager une boîte, ça s'apprend sur le tas, il n'y a pas d'école. Et finalement, on développe des compétences dont on n'a pas conscience. Et puis parfois, on a une vie associative, on développe aussi des compétences dont on n'a pas conscience. Ben, c'est peut-être le moment de faire un bilan de compétences ou un bilan de carrière pour faire le point sur ce qu'on sait faire. Et puis ça renforce aussi l'estime de soi, c'est pas mal. Et donc ça permet certainement de pouvoir... Peut-être repartir sur une activité. Regardez ce que j'ai fait. J'ai quitté Olifant Group fin 2021. J'ai recréé cette activité d'accompagnement des dirigeants et je suis tellement comblé par ce que je fais aujourd'hui. Eh ben, c'est à la portée de toute personne qui partirait à la retraite demain, à condition de faire un point sur ce qu'il est, ce qu'il aime et ce qu'il sait faire. Voilà. Juste un petit mot pour le repreneur, parce que ce sera l'objet de mon prochain webinaire le 29 juin. On ne parlera que du repreneur. Ben, le repreneur, pendant ce temps-là, ben, il faut qu'il soit en mesure de rapidement démontrer son apport, sa légitimité économique et stratégique, et même humaine, émotionnelle, je dirais, en proposant un dessin, une vision qui justifie sa présence, mobilise les équipes dans un horizon nouveau et stimulant. Au-delà même de la question du transfert de propriété. Mais ça, c'est pour le 29 juin. Ouais, c'est ça, c'est le 29 juin. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Voilà. Échange, questions. J'ai fait ça en 42 minutes. C'est top. On peut même déborder du quart d'heure. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai heureux d'y répondre, des questions, des remarques. Si vous avez des cas actuels que vous ayez pu rencontrer, n'hésitez pas à échanger à ce sujet. Je serai ravi d'échanger avec vous autant qu'on puisse le faire dans un webinaire. J'ai été super clair, vous n'avez pas de questions. Je regarde un petit peu tout ça. Il ne faudra pas que vous hésitiez si vous avez des préoccupations particulières. Je suis tout à fait à votre disposition par téléphone, par mail, par visio ou pour vous rencontrer pour répondre à vos questions problématiques éventuelles. Parfois, en 10 minutes, on trouve des solutions simplement en discutant, en posant sa problématique. Parfois, c'est très simple. Finalement, y a des choses parfois évidemment très simples à discuter et qu'on ne voit pas. On ne voit parfois pas les solutions. Bah, il suffit d'en discuter en 3 mots. Alors, on me dit que par exemple, la
préparation de la session en blockchain est un vrai plus. Eh bien, pourquoi pas? Françoise me dit que c'était très riche. Merci, Françoise. Quoi d'autre? Nous avions Martin qui est consultant, qui accompagne les entreprises dans leur développement international. Super. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait, moi, au Québec. Je ne parle que français et donc je travaille sur la francophonie et j'essaie de me rapprocher d'entrepreneurs, de conseillers en transmission au Québec. Et puisqu'évidemment les relais émotionnels sont les mêmes et ça donne l'occasion de voyager, c'est pas mal. Voilà, écoutez, puisque nous n'avons pas plus de questions ou de remarques, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là. Ça fait juste 3 quarts d'heure. Je suis assez content, j'ai respecté le timing. J'espère que ça vous a plu. J'ai été ravi, moi, de vous faire part à la fois de, vous l'avez compris, de l'émotion que j'ai justement à faire ce métier. Et donc, j'espère vous retrouver, pourquoi pas, le 29 juin pour parler cette fois uniquement des repreneurs, parce que là aussi, il y a des problématiques. On sera beaucoup plus sur des exemples, beaucoup plus détaillés sur ces webinaires du 29 juin. Voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau printemps et puis de bien transmettre vos entreprises et de bien accompagner vos clients dans la transmission d'entreprise. Au plaisir!